comme tu as pu le voir, mon petit chat, nous avons des amis qui ont tenu à te laisser un message. Leïla. C'est vrai, on t'a. Devine. Non, mais attends, il n'y en a vu qu'une du coup. Tu as juste vu la tête de Younes, ok. On a même pas reconnu, tu sais, j'ai pas vu Younes. Mais, en fait, c'est pas des petits messages anodins. C'est des anecdotes? C'est des anecdotes. Et donc, on veut des explications. Je le connais, Younes, il est pas farouche. Bon, Younes, on veut. Allez, maintenant, on peut regarder Younes si c'est possible. Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va. Jessie, Leïla, je vous embrasse. Alors, une petite anecdote sur Bambi. Alors, dites-lui qu'il vous raconte l'histoire quand il a voulu tchatcher une meuf à Miami. Incroyable. Incroyable. Ah, franchement, je vais pas vous la raconter, mais je vais vous la raconter à ma place. Je t'embrasse, Bambi. Inch'Allah, le million. Amen. C'est pas une histoire drôle, hein. Ah ouais genre. Parce que tu fais le mec, je suis pas comme dans mon personnage, Yoni dans. Est-ce que la régie peut arrêter de lancer des ils vidéos top, comme ça, en fait? Franchement, toutes les 5 minutes. Je pense que la prochaine, je viens et je casse la régie. Voilà, sachez-le. C'est pas une histoire drôle, hein. Oh, mon petit chat. C'est une histoire, je me suis fait fracasser de coups. Mais non. En fait, c'est que je vous raconte. J'étais fou. Avant, le préambule de mon personnage, moi, comment j'étais avant, j'étais complètement fou. Mais complètement fou avant. Et j'avais pas dans quel sens fou? J'avais pas de barrière dans ma tête. D'accord. Tu sais, quand je faisais des conneries ou quoi. Et je suis à Miami pour le nouvel an. Je vois une fille, on tchatche un peu. Mais il y a pas, à aucun moment, elle m'a donné signe de. Il va se passer. Tu vois, je veux dire. Ouais. Je la suis aux toilettes. Elle me dit, je vais aux toilettes. Et moi, j'ai l'impression que c'est une invitation ou. Je la suis aux toilettes. C'est tellement toi, putain. Tu vois ce que je veux dire. Pardon. Mais attention, il y a rien de. Il y a pas eu. Tu vois, je suis aux toilettes. Et jusqu'à, tu sais, elle va dans la porte et je vois qu'elle sourit, elle rigole avec moi. Donc, moi, je pense que c'est des invitations à chaque fois, tu vois. J'avais 15 ans. Hein. Ah, d'accord. J'avais 15 ans. D'ailleurs, je rentrais en boîte en Nouvel An à Miami. Pour moi, j'étais American Pie, tu vois, c'était le ouf. Ah, c'était ouf, la folie. Et je vais, et elle avait 25 ans, mais une femme, c'était une mannequin. Et je vais dans les toilettes avec elle. Elle me fait quoi? Après, toutes les mœurs américaines, ah, fuck, you crazy, you pervert. Elle me pousse, je retourne là-haut. Je me dis, la soirée est normale. On me tape, elle est pas drôle l'histoire. Hein. On me tape, elle me mêle un pain. Elle? Elle? Un mec qui arrive derrière, américain, tatoué. Bah, il me fracasse. Je regrette toute ta vie. L'histoire n'est pas finie. D'accord. Parce que c'est comme à Nice, tu sais, il y a les hôtels et direct il y a la plage. Ouais. Ils me disent, vas-y, ils veulent pas d'histoire, tu sais, ils sont comme ça les Américains, ils veulent pas d'histoire chez eux, dans les hôtels. Donc la sécurité me met sur la plage. Et vas-y, rentre chez toi. Moi, je pense que je marche tranquillement, il n'y a pas un bruit. Les mecs, ils arrivent, ils m'ont fracassé sur la plage. Voilà. Merci, Younes, pour cette histoire qui n'est pas drôle. Mais on en a une deuxième. Lance la vidéo. J'aurais dû inventer une. Petite anecdote sur Bambi. Nous étions en pleine tournée avec le Jamel Comedy Club. Nous étions en train d'enchaîner des villes et on dormait très peu. Et un matin, on se lève pour partir sur la ville d'après. Bambi nous rejoint dans la voiture. Il arrive avec des coussins de sa chambre d'hôtel, sauf que c'est pas les siens en fait. Donc jusqu'ici on se dit bon, moi des vols j'ai eu l'habitude d'en voir dans ma vie, pas grave. La semaine d'après, la production reçoit un mail demandant à Bambi de rendre les coussins. Il a volé des coussins cet après-midi. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on allait de. Je crois qu'on était à Metz, on devait aller à Genève et on faisait de ville en ville, mais en car. Donc, juste là, c'était Farid Chamek, hein, qui a fait beaucoup de premières parties de Jamel là, sur sa tournée et qui arrive là avec son nouveau spectacle aussi prochainement. Décollage imminent. Là, je crois qu'il est en rodage et son spectacle, c'est une tuerie. D'ailleurs, Younes, juste pour revenir, est en tournage ce soir, sinon il serait venu te faire un bisou. C'est vrai? Ouais. Il est en tournage ce soir. Oh, ça m'aurait fait plaisir. Il est en tournage ou il regarde la Ligue des Champions? Ah, c'est vrai que peut-être que c'est ça aussi, peut-être c'était du mytho. Donc pour revenir sur l'anecdote de volage de coussins. On allait de ville en ville en voiture, en car. Ouais. Et je crois que vu qu'on était sorti la veille, je me suis dit, j'ai dû dormir 2 heures, je me suis dit, c'est pas possible, faut que je dorme. Et tu connais quand tu dors sur la coudière, sur la ceinture, tu peux pas, j'ai pris un coussin, mais je suis sorti normal devant la réception, tu sais, j'ai rendu ma carte, merci beaucoup, merci pour l'accueil, je suis parti. Merci pour les coussins. Et moi j'étais très fier de mon coup, tu sais, à l'intérieur, je les voyais tous à mal, je fais, moi j'ai mon coussin.
Semaine d'après, un mail. Bonsoir, l'artiste Samuel Jean est parti avec un coussin. Oh la honte. Du coup, j'ai dû rembourser un coussin et de la merde. Tous les mercredis de 21h à 22h, les mouvementés vous secouent. Une heure de radio libre. Suivez le mouvement avec le mouvement chaud sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.